Où est-ce Nicolas? On va aller faire sa chimio de la semaine. Et ensuite, on va aller à un endroit où on a vécu, où on était mariés. Hein. N'est-ce pas, mon cher Nicolas? Et j'espère qu'on va pas se faire choper hein, par la police. Hein. Oui, parce qu'on a plus le droit d'y aller. Parce qu'on n'a plus le droit d'aller dans cet endroit-là. Mais Nicolas, ça lui tenait à cœur qu'on y aille et qu'on fasse une petite vidéo sur ce lieu magique. Et on va vous le montrer et partager avec vous ce lieu magique. À nos risques et périls de se faire choper par la police. Soum Soum est une aventurière. Oh oui, par la police qui vient nous surprendre. Mais alors là, ça ira mal. Tu crois que ça ira mal quand même? On verra bien. Écoute, c'est pas grave. Moi, de toute manière, on va partager avec vous ce lieu-là magique parce que Nicolas, ça lui tient à cœur qu'on fasse une vidéo sur ce sujet-là. Voilà mes chéris d'amour, je vous fais de gros bisous. On va à la chimio là. Ciao, ciao. Coucou mes chéris d'amour. Alors on a fini la chimio de Nicolas. Tu fais un petit coucou quand même. Et donc du coup là on va aller à l'endroit où on vous a dit où on avait vécu quand on était mariés. Nicolas il tient à aller à cet endroit-là. Là c'est le château de la Maugère. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, et donc du coup, eh ben, je vais vous montrer, oh mon Dieu, tu sais quoi si on se fait attraper? Moi de toute manière, ma carte d'identité, il y a dessus ce truc, cette adresse. Alors voilà, bon ben, je vais vous montrer l'endroit où on a vécu quand on était mariés. Et voilà, donc on est dans des petites ruelles à Montpellier en fait, à l'extérieur de Montpellier, mais tout près de Montpellier, mais on ne connaît pas, personne ne connaît ces endroits-là magiques et magnifiques. C'est près d'Odysseum. Donc voilà, je vais déjà vous montrer parce que le chemin, on ne passait pas par là, ils ont coupé. Bon, ben, je vais vous montrer. À cause de l'autoroute, merci monsieur Fraîche. Paix à ton âme. A tout de suite. Il y a les arbres qui ont poussé et tout pour l'autoroute et le TGV. Et donc là c'est fermé, il y a une société de sécurité qui fait la sécurité, il y a détection de mouvement et tout, mais nous on s'en fout. Donc nous on s'en fout, on va rentrer. Donc il y aura sûrement l'alarme qui va se déclencher pour les détecteurs de mouvement.
et ben si les agents de sécurité y viennent, c'est pas grave, on leur dira qu'on est les anciens propriétaires. Et puis de toute manière, moi sur ma carte d'identité, il y a toujours l'ancienne adresse Château de Beauregard. Rue de la Méjanelle, et cette propriété est l'origine des coteaux de la Méjanelle. Et c'est grâce à mon grand-père qui a eu le VDQS et par la suite l'AOC du coteau du Languedoc. Voilà, voilà, donc ils étaient aussi viticulteurs, ils faisaient des vins qui étaient faits exprès pour... l'importation par contre, hein, l'exportation. L'exportation, ah oui, l'importation c'est quand tu fais rentrer dans le pays. L'exportation, Londres, les États-Unis et autres. Donc le vin du château de Beauregard n'était pas commercialisé en France. Arrête, hein. Et n'était pas commercialisé en France. Donc voilà. Attends. Donc ce vin, comme je vous ai dit, parce qu'il y avait de la musique qui se... Voilà, n'était commercialisé à l'extérieur, il l'importait. Et il exportait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai qu'avec importation. Donc on vous dit à tout de suite, bisous bisous. Qu'on a été, en fait, Nicolas a été exproprié du château pour ça. Mon Dieu, moi ça, attends, je bouge trop. Mon Dieu, moi ça fait, c'est la première fois que j'arrive, que je visite le château depuis qu'on a déménagé. Voilà l'autoroute, là il n'y avait pas l'autoroute, il y avait des, comment ça s'appelle, des plantations. De melons, des fois, hein, Nicolas, il y avait les melons, et il y avait les vignes, et après il y avait des melons et tout, et regardez, c'était des terres, c'était magique, c'était magnifique, et regardez maintenant, il y a l'autoroute. Franchement, je suis écœurée, moi, ça me fait quelque chose. Et là derrière, c'est la cave, donc je vais tout vous montrer. Donc si ça sonne, quoi que ce soit, le parc pittoresque, hein, j'ai de bons souvenirs dans ce château de famille où on a vécu. Et c'est franchement, c'est dommage d'être exproprié du château pour construire ça, l'autoroute. Pour vous, messieurs, dames, qui prenez l'autoroute, il y a des personnes qui ont été expropriées de leur château, de leur maison, pour ça. Et c'est quand qu'ils vont ouvrir l'autoroute? La semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura l'inauguration de l'autoroute. Et là-bas, il y a la voie du TGV qui longe l'autoroute. Eh ben voilà, pour le TGV, SNCF, merci. Et les autoroutes de France, merci. Bon ben, on va rentrer. On rentre par où, Nicolas? Alors, regardez par où on va rentrer. Hein. Allez! Il y a les détecteurs de mouvement, Nicolas, là? Non. De toute manière, je m'en fous. Hein. On y est, on y est. Mon Dieu, le château, comment il est... Oh, oh mon Dieu, purée. Mais c'est la faune et la flore. Nicolas, et j'ai... Attends, il y a les serpents ou quoi que ce soit, là. Hein? Regardez-le. Tu me ferais le chemin. Hein. Putain, Nicolas, s'il y a les serpents. Il n'y a pas de serpents. T'es sûr, hein? Attends, j'enlève mes lunettes. Hein. Attention, là où je me ramasse. Aïe, c'est quoi ce truc? Nicolas, j'ai le doigt qui est blessé en plus. Ah! Qu'est-ce qu'on fait là? Regardez! Le château, je reconnais plus rien, Nicolas. Où on est là? On est dans les dépendances. Ah, les dépendances. Ah oui, c'est les dépendances. Montre le palmier qui a 200 ans. Ça, c'est un palmier qui a 200 ans, mes chéris. Qui fait des noix de coco. Et qui fait des noix de coco. Qu'on mangeait, hein. Ça, c'est les dépendances, mais je ne vois plus rien. C'est... Purée. C'est un château de famille qui a été... J'ai quelque chose dans le pied. En plus, t'as pas de basket pour courir. Alors là, c'est les dépendances. Oh mon Dieu. Le château, attends-moi là, je vais y aller. T'es sûr, j'espère qu'il n'y a personne, Nicolas. Tu vois, il y a quelqu'un qui vient parce que regarde, les herbes, hein. Tu passes, Nicolas, s'il te plaît. Ouais. Oh, ce jardin qu'on vient, on a joué dedans. Et voilà, le château. Ça, c'est le château. Oh, il est délabré. Viens, on fait un... Attends, Nicolas. On fait juste un... C'est là où l'alarme va sonner. Non, pas encore. Pas encore, regardez. Viens là. Vas-y. Regarde là.
Voilà. C'était là où il garait les voitures. Là, c'était le garage. Il y avait une glycine. Là, il y avait une magnifique glycine. L'alarme. Ça y est. On est obligé de partir. L'alarme. Ben viens, tu vas filmer. Je vais filmer la tour. Ça va sonner. Ouh. Attends. Attends, l'alarme, ça y est. C'est la tour du château. Ça y est. Regarde. Quoi? C'est pas la peine, faut qu'on ait un frère aussi. Bon. Oh mon Dieu. J'ai couru, mais je voulais montrer la tour du château. Mon Dieu, Nicolas, j'en peux plus. Allez, viens. Ciao, panier. Oh mon Dieu. Par où on passe? Tant que je tombe pas, moi. Ah. Ouh. J'en peux plus. Voilà. On a couru. L'alarme s'est déclenchée. Alors que je vous raconte. Ce château, c'est ma grand-mère quand elle est revenue d'Égypte, parce qu'elle est née en Égypte, à Alexandrie, ma grand-mère. Avec mon grand-père, ils ont acheté cette propriété parce qu'il avait vu sur la mer, et parce que ça lui rappelait les palmiers, parce qu'il y a beaucoup de palmiers, et ça lui rappelait l'Égypte. Ils ont acheté ça et ils ont fait du vin depuis les années 1920 jusqu'à maintenant. Voilà. Grâce à mes grands-parents, j'ai vécu dans un château toute mon enfance, mon adolescence et une partie de l'âge adulte. Voilà. Et donc voilà, Rania, ma fille, ma grande fille, elle a grandi dans ce château. Ouf, on a eu de bons moments. Et puis voilà. Mais en tout cas, j'ai couru. Oh mon Dieu, j'ai jamais couru. Hein. En fait, j'ai jamais couru. J'ai pas. Bon, là, c'est la sécurité ou la police qui va venir. Mais on est parti. Franchement, j'ai couru pour vous, pour Nicolas, c'est surtout lui hein, qui avait envie qu'on fasse cette vidéo en fait. Et puis moi, ça, franchement, j'ai de la peine. Comment il est devenu le château? Mais il est à l'abandon. La mairie de Montpellier qui l'a racheté pour une broutille, pour une misère, le laisse à l'abandon. Et voilà. Et le jardin, vous n'avez pas vu le parc? Il le nettoie à grands coups de tracteur et de bulldozer au lieu de le tailler à la main. C'est une honte. Voilà. Voilà comment l'argent des contribuables passe et on ne s'occupe pas des propriétés que l'État rachète. C'est dommage. Montre la vue sur. Regardez. Et là-bas. Tout ça là. Montre. Attends. Je fais une marche arrière. Montre là-bas, c'est la nouvelle gare. C'est la nouvelle gare TGV où simplement 4 TGV va passer par jour. Tout ça pour ça. Voilà mes chéris d'amour. Donc vous connaissez un peu l'histoire de ce château qui malheureusement est sorti des mains de toute une famille. Et parce qu'en plus de ça, je vous explique, la maman de Nicolas, elle est toujours en vie. Elle a quel âge maintenant? 90 ans. 90 ans, elle aurait souhaité, franchement, elle aurait aimé finir sa vie dans ce château, ben, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que ses parents y ont vécu et tout. Mais voilà, la mairie les a, comment tu dis ça, les a expropriés pour les autoroutes et pour 4 TGV et une nouvelle gare. Donc du coup, voilà, c'était
c'était un beau château et on a vécu des moments heureux, inoubliables dans cette demeure là. C'est toujours vivre dans un château, c'est sublime, c'est magnifique. Et le parc, il y avait un parc derrière que j'ai pas pu vous montrer de 5 hectares. Il était génial, il est sublime. Il est toujours parce qu'il y a des arbres. Il y a des essences rares comme des cèdres libanais, entre autres. Voilà. Donc voilà. Et puis moi, franchement, depuis quand on a été exproprié du château, c'est la première fois que je reviens. Et franchement, ça m'a fait de la peine quand même de voir ça. Oui, ça fait de la peine. C'est à l'abandon. Hein. C'est à l'abandon, surtout que avant c'était pas à l'abandon. En fait, là, ça bouge trop. Excusez-moi, je suis désolée, mais c'est parce qu'on a pris des petits chemins pour y accéder. Parce que l'allée des Oliviers, rue de la Méjanelle, l'allée des Oliviers, elle est condamnée. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer, et surtout pour Nicolas. Parce qu'il tenait, il avait envie, parce qu'il J'avais envie de vous montrer un petit coin de paradis, enfin qui était un petit coin de paradis, et maintenant qui est un petit coin d'enfer, voilà. Voilà, cette vidéo lui tenait à cœur, il m'a demandé est-ce qu'on pourrait faire cette vidéo sur le château. Je lui ai dit, oui, écoute, on l'a fait, à nos risques et périls. Donc voilà, j'ai couru pour vous. Mon Dieu, moi qui cours jamais, c'était l'occasion parce que j'avais envie de vous montrer la tour du château. Tu peux leur montrer le Comolé qui est un. Voilà, assez joli. Je vais vous montrer le Comolé qui est une belle résidence. Dans ce coin, il y a trois châteaux. Le château de la Maugère qui est répertorié, le Comolé et château de Beauregard qui a été exproprié. Voilà, je vous montre. Le Comolé fait du vin, un très bon vin qu'on peut acheter dans la cave coopérative d'Assas, Assas après Castelnau. Voilà, ils font leur vin si loin, mais le Comolé qui est un bon terroir, qui est le terroir de la Méjanelle, où il y a du grès, des cailloux, et il y avait le Rhône qui passait là. Il y avait un bras du Rhône qui passait ici et qui a donné un bon terroir pour la vigne et pour faire du très bon vin. Voilà, et là on va aller au château de la Maugère pour vous montrer ce beau château qui est conservé. Oui, lui il est patrimoine. Et qui est du 17e siècle et c'est la famille de Saporta, c'est un comte noble, depuis des générations ils sont là. Et je vais vous montrer, on va vous montrer avec Soum Soum le château de la Maugère qui est visitable. Vous pouvez venir le voir et visiter. Il y a de très beaux jardins, et un très beau château. Et il se loue pour les mariages, pour les trucs, pour les séminaires, pour les cérémonies et autres. Voilà mes chéris d'amour. Donc c'était une vidéo spécialement château de Beauregard où on a vécu et où on a été exproprié. Pourquoi ? Pour que la mairie puisse, les autoroutes puissent construire leurs autoroutes et la SNCF pour sa gare, pour ses 5 ou 4 TGV, c'est ça ? 4 TGV par jour. 4 TGV par jour avec une gare. C'est très dommage parce que des patrimoines comme ça, pour moi, ils doivent être... conservé parce que ça appartenait à des familles et tout, et surtout pour la maman de Nicolas qui est maintenant dans un âge avancé, elle aurait aimé finir sa vie dans ce château là, qui est tout à fait normal. Voilà mes chéris, on arrive au château de la Maugère, je vous le montre. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing.
j'essayais.